Bonjour à tous, je suis Olivier Sejour, nous sommes sur la suite de Phoenix Wright, et il s'appelait Justice for All, pour la troisième partie de l'épisode... Non, la première partie du troisième déroulement du quatrième épisode. C'est assez complexe à comprendre. La dernière fois, oui, on y a eu un gros twist. C'est Matt Engarde le coupable. Andrea Landry a été détruit psychologiquement. Et il y a Hunter qui, en regardant une carte, s'est exclamé haut et fort qu'elle a fait une bêtise. Donc, détective, que veux-tu me dire? Super, vivement que je fasse un régime à base de pâtes. Mais oui, d'ailleurs tout le monde fait ça, mais moi je le fais. Bah si, quand même. Je la déteste pas, mais bon, au point qu'elle veuille mourir... C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Non, je suis pas ce genre de personne. Vous foutez de ma gueule ! C'est une blague, j'espère. Ah oui, vous avez vu ma superbe safe state. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas envie d'y aller. S'il y a le crétin à cheveux roses, je lui démonte ses dents. Eh merde. Salut Hunter. Ah bon? Ouais voilà, ce putain de merde. J'espère qu'elle va lui mettre des coups de feu. Ah putain. Mais tant mieux. Mais bien sûr, on te croit. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, non,
Non, non, non, je veux pas te voir, je putain de merde. Non, 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 les enfants, ne lisez pas ce passage. Ne lisez pas ce passage. Rien, je vais... C'est pour ma cipoulette. Bon, vous avez... Sinon, vous allez mieux? Comme ton père. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Mais de quoi parle-t-on? Oh là là, 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 personne ne le sait. Même moi. Moi, tu te fous de moi en plus. Ah si seulement je pouvais te détruire psychologiquement. Ah si seulement. Si seulement. Ça manque de respect, ça trash talk. Ça trash talk sévère. T'as une sale tête. T'as une sale tête, mon petit. J'adore vraiment quand on m'interrompt. Et ça rame. Un peu. Bon, sinon, la carte d'Andrea, celle où t'as crié. Furax même. À cause d'une carte. Alors, flashback, je me souviens de ce nom. Qu'est-ce qu'il a fait ce personnage? J'adore vraiment quand on me dérange. Bon, là c'est un peu normal parce que voilà. Oui, donc Bernic de Killer. Est-ce qu'il y a un jeu de mots à la con à faire? Ouais, ça va. Alors, petite parenthèse, ça me rappelle un film. Mais Détective Conan, je crois que c'est le sixième, où le coupable était un enfant qui appartenait à la lignée de Jack l'Éventreur. D'ailleurs, je vous recommande ce film. Il est... Bon, je l'ai vu en VO sous-titré, ça vaut le coup. C'était le nom de pro. T'as pas oublié un mot? Son nom de pro est bien. Ah, de professionnel. D'accord.
un contrat. Mais quel est-il ? D'accord. Ah, je vois. Ça explique pourquoi il est très sympathique avec moi. Bah ouais, faut regarder Hitman. Là, le contrat est sûr. Allez, débloquons une situation que j'ai débloquée par le déblocage de l'autre situation. Moi, non, pas vrai. C'est pas vrai. Wow, 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 on se calme. Wow, tu te calmes. Oh mon dieu, comment je lui réponds? On sait tous que c'est impossible, évidemment. À force de réfléchir, c'est pas vrai que... Voilà quoi! Je suis dans la situation de merde! Un bout de papier. Une enveloppe en fait. Je parie que c'est une lettre de présentation. Voilà, c'est une lettre! Ou un bout de papier! Voilà, voilà! Si tu veux, bah merci bien Hunter. C'est ce que j'ai à dire. Et ça passe Hunter. Oui, on se fout sur la gueule pendant les tribunaux, pendant les procès, mais voilà. C'est des insultes gentilles. C'est déjà fini? Bah putain. Foutage de gueule. Ah, alors, la dernière fois, nous avions trouvé une carte. Et la réponse est que ça marche. Mais je suis sûr qu'il y a un twist. Examinez la porte. Une bouteille de vin. Un cellier. On appelle un cellier. Des cartons. Un escalier. Une porte. Je sais pas. Alors, attends, il y a peut-être un élément qui m'échappe. Sans doute. Non. 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 Ah, je sens que j'adorais cette phase. J'adore cette phase déjà. Non plus. Ok, donc là c'est des fûts. Là c'est par terre. J'ai accès au bouton de dossier. C'est mal fait, madame la juge. C'est très mal fait. Mais sors, putain. Mais fais un truc dans ta vie. Oh là. Ah. Oh la blague, se déplacer. Blague, j'aime. Ah ouais, nounours. Ah ouais, mais en fait, j'étais pas du tout dans le cellier de l'hôtel là.
Des indices. Une peluche, déjà. Ah oui, effectivement. Une antenne satellite. Une parabole aussi, oui. Je dirais bien pour des conversations. Ouais, moi non plus. Un objet sur cette table. Un cadre avec une photo. Céleste. Comme... Céleste la voûte. Ah mon dieu. Mais tout devient plus clair. En fait non. Peut-être que c'était... Oh, et si c'était l'amant de Céleste? J'ai bien une idée, mais bon. Un ordinateur. Oui. Et il y a le chat. Bah à force de manger un burger. Ah, bonjour monsieur. Salut. Évidemment. Ah bah oui, nous savons tous. Flashback. Eh ben non. La transition de fou quand même. C'est... tu vois, c'est... dans, imaginez, vous êtes dans un film. Le film continue, continue de façon linéaire. Et à un point précis, le film se découpe en deux. Pour vous montrer ce qui se passe au même moment. Et revient quasiment à la seconde près où on vous a quitté. Ça c'est fort. Un film dans un film. Je fais quoi là? Oh, je retourne au cabinet. Toi, je vais te présenter des trucs. Ah putain, c'est vrai que j'ai trop de preuves. Vas-y, troll-moi. C'est bien ce que je disais, troll. Des fruits de mer. Et j'ai une lettre. Attention, ça ne rigole pas. Bon, je devais pas débloquer un truc. Au hasard, voilà. Je te déteste. Bon, sans de détention. Matt ou Andrea? Au pif. Personne, c'est bien, cool. Je suis Monsieur Wright. Ah bon, un message de... D'accord, c'est mal écrit.
que va-t-il nous demander? Vous vous foutez de moi? C'est une blague? Oui, c'est une blague. Mais attends une seconde. C'est une opportunité. Je vais pouvoir fouiller chez lui. C'est génial! C'est vrai qu'il a pas de chat. On fouille dans la poche. Le chat est roi, tu m'étonnes. Allons aux affaires criminelles, voir s'il s'y passe des choses intéressantes. Tu m'étonnes! Comment ça, sans victime? Vous êtes sûr? J'en sais rien. Ah ouais, ouais j'espère en fait, parce que 100 personnes, ça fait beaucoup. Voilà. Retournons à l'hôtel Gale. J'aime exagérer sur les mots anglais. Ah, elle est morte, c'est pas trop tôt. Oh, c'est pas vrai, d'accord. Alors, voilà. Alors, j'ai une lettre, tu vas voir, c'est très drôle. T'es sûr. Ce jeune inculte. Hunter va te faire cordialement. Oui, je refais plein des livres parce que on me gêne. Dans ma vie actuelle, je suis très demandé. Ah, ça alors. Non, faut pas te mettre des idées. Oui, poursuivons. Non, mais nom de Dieu! Pourquoi? Ah bah oui, évident. Je fais ce que je veux et je t'emmerde. Comment ça, living room? D'où ça sort, living room? Ah bah oui! Oui, d'accord. Oh mon Dieu, quelle voiture! C'est rouge. J'ai dit voiture, j'aurais dû dire manteau. Ah mon Dieu, ils ont fait... Quel... tel... Ceci n'est toujours pas une image photoshopée. Évidemment, c'est réalisé à la main, nous sommes d'accord. Putain de merde. Photoshop, c'est la magie. Je ne... Bonjour.
Tu ne m'inspires pas confiance. C'est juste. Mais alors dis-moi, allons-nous au bistrot. Ah non, c'est assez peu. Bien. Et donc ce chat? Évidemment, et rien à dire. Vas-y. Étrange phrase, se méfier des apparences. Bon, une seconde. Oh, ce twist. Et si Maya était dans cette maison? Oui, je ne suis pas du tout la conversation, mais je m'en fous. Bah oui, regardez, il y a une gouttière. C'est une gouttière. Je crois que c'est belle comme ça. Une chatière. Oui, d'accord. Tu m'étonnes. Bon, sinon, il y a un sofa. Il y a une magnifique cheminée. Très, très belle. Eh bien... Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oh, une magnifique armoire. Ah non. Armoire, un tableau, un magnifique tableau, comme vous le voyez, d'accord, le tableau est agencé sur les box du four, non. C'est génial, un magnifique canapé, tu m'étonnes, j'ai pas envie de savoir. Ne cherche pas à comprendre. Des magnifiques tableaux aussi là sur ce côté et des masques. Ouais, c'est pas moi qui les ai su. Et donc, on a parlé et j'ai retenu bon. N'y a rien. Ah si, il y a les éventails. Les éventails à juste ici qui ne comptent pas. Bon, je ne vais pas m'attarder. Ce majordome est étrange et bizarrement familier. Je me demande pourquoi. Il y a encore la bouffe sur la table. Eh bien. Est-ce qu'il y avait ces deux bouteilles? Deux bouteilles qui se trouvaient ici. Pas d'hamburger parce qu'elle va manger comme une truie. Oui, j'insulte des gens. C'est pas moi qui paye. Ouais, d'accord là-dessus. G5. Ouais, un G à 100. C'est bien. L'odeur de la mort. Ouais, j'en crois pas un mot. Reprends ta merde.
Très bien sûr, Mateux. Bah voyons. Wow, t'as réussi ta vie. Non, et le scandale, le pseudo-scandale. C'est ça. D'accord. Donc effectivement, comme l'a dit Echouette, c'était pas du tout une info fiable. Bon, mon appareil photo d'ailleurs, on va en parler. C'est une pièce à conviction. Bien sûr. Bien sûr. Mais arrête de mettre des jets partout. Merci Emma. Donc, bon, chambre de Corrida avec tous les nounours. Plein d'ours. Qui est là? Je dirais une personne qu'on a baïonnée. Les fantômes avec un S, putain! Ah, merde. C'était elle. D'accord. C'est le but. Ben non. Il faut pas. Oui, tu étais concentré. Oui, évidemment. Bah, c'est des ours. Et alors? Exact. J'ai pas compris. Ouais. C'est complètement kitsch. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Des animaux humanisés. Et pourquoi pas des fables avec des animaux dans les livres et qui en plus parlent. On aura tout vu.
C'est complètement con, je suis sûr qu'il en a marre. Ah, il y en a même un. 20h? Ma montre retarde. Ah, oh, super. Un message. Bonsoir. Je sais, c'est mon téléphone, on s'en fout. Oh, excuse-moi. Eh bien, non. Voilà, voilà. Ah, je m'en fous de la pitié. Quelle mort ou pas, je m'en contrebalance. Je tenterai une fin de tribunal tellement puissante que tu viendras te rendre personnellement pour tous les crimes que tu as faits. Jamais vu un tueur en série aussi cool de ma vie quand même. C'est rare les gens qui font ça. On capte mal. Si vous voulez bien m'excuser, c'est tout ce que j'ai réussi à comprendre. Oui, elle va mourir. Mais ta gueule. Un électrotechnicien. Mais qui? Très franchement, qui s'en soucie? Merde, je me suis déplacé. Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Bah, je peux rien faire de plus. Une seconde. J'ai pas présenté des choses à l'autre là. Bah, il faut présenter les. Ah, ça recommence. Je crois. En fait, je crois savoir. Je te déteste. Je te déteste. Je suis sûr que c'est à cause d'elle. Non. J'ai pas envie. Elle aime personne, ça se voit pas. Non, les dernières preuves, la carte avec le motif, ça ne sert à rien. La photo d'Eva, non plus. Ouais. Alors, me déplacer et examiner. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est complètement là. Il est complètement là. Mais rien, ne t'en fais pas, je vais plus aller voir ces ours. Non mais je sais que c'est à cause d'elle. Non, pas me déplacer, qu'est-ce que je fais? Présenter à des profils. Comme par exemple... Alonso, machin truc. Bistro. Bistro la coquette. Non, ça n'a rien à voir. Non mais je vais faire tout le monde en fait. C'est plus intéressant.
pas posé à la sécurité. Bon, d'accord, donc je peux vraiment rien faire. Même pas une heure. Alors ça, je peux rien faire. Si même pas une heure l'épreuve. Je ne sais que faire, je ne sais que faire. J'essaye des trucs, ça prend du temps, et voilà. Bon, d'accord, marche arrière toute, on va voir ailleurs. Ça ne mène à rien. C'est dans cette salle qu'il se passe quelque chose. La salle à l'auto. Est-ce que j'ai débloqué un trigger? Ça serait génial d'ailleurs. Affaire communiste. Living room. Pif, non. Bol de l'hôtel. Non plus. Des affaires criminelles? Non plus. Le cabinet d'avocat. Ah ah! Ça y est! Le pif absolu. Des nouilles instantanées. Laisse-moi deviner. Si tu veux. Ah, je sais déjà ce que je lui ai demandé. Non. Présenté. Oui. Que des mots compliqués de plus de 3 syllabes qui m'ont débloqué un nouveau sujet. Ça a l'air. Une onde radio, comment cela? Oh non, non, non. Voilà, on va dire ça. Alors, en même temps. Pardon, comment? Que? Comment? Devient clair. Mais tout est clair en fait. Bon, je laisse un petit peu la musique quand même parce qu'elle est bien. Je vais passer à la clinique. Histoire de bouger un petit peu, de move. Ça ne marche pas. Ah, plus de musique d'un coup. Étrange. Salto.
Non, pas examiner. Non, mais non, mais non, mais n'importe quoi. Chambre de Johan Colila, anciennement Billy, le ninja Billy. Il y a toute une référence de détecteur. Lol. Ah, c'est drôle. C'est extrêmement moche. C'est ce que je dis. C'est moche. Présenter l'auberge. Oui, c'est une expression. Mais il faut des piles, évidemment! Ah, d'accord. Ok, on est dans la merde. Vas-y, pète-moi mes oreilles. Oh mon dieu! Un mini-jeu! Je parie qu'il est dans un ours, en fait. La jauge. Où ça? Quelle jauge? Je ne la vois pas, la jauge. Utilisez la souris. Alors. Ah. Lampadaire. Je m'en étais douté. Ok, c'est donc un mini-jeu comme le Luminol dans l'épisode 5 du premier volet. Le téléphone, putain de merde. Ah mais non, mais le service d'écoute, ça peut aussi marcher. Le démonter. Alors, pour le démonter, un grand coup par terre. Non mais, ok, changement de plan. Voir sur les ours. Non. 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 Ah ah, quelque chose. Je vous détruis vos oreilles, c'est sûr. Évidemment. Ouais, la jeunesse qui... Ah, voilà, le saloperie d'ours. Oh non 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 non, on parle pas de voiture. Bon, on va tout faire, hein. Voilà. Lol. Et j'ai un message, c'est trop bien. On s'en fout, putain. Je sais pas. Non, j'ai arrêté de me détruire les oreilles. Lol, alors ça c'est un pot de fleurs, je suis désolé. Bah, on sait jamais. Ah, c'est une télévision d'ici, on dirait. On dirait que c'est rien. Ceci est quelque chose qui me paraît débile vu que. Le jeu japonais
Mais toi, on t'a francisé, j'ai envie de te dire. Donc, t'es japonaise, mais tu parles français. C'est... Le piège de merde. Vous le sentez, ce piège de merde? Est-ce qu'on a un flashback? Non. Oh là. Merde, ça s'agite partout. Ça s'agite partout, qu'est-ce que je fais? Ouais, de la viande, parce que la viande, c'est bien. On va tout faire parce que j'en ai marre. J'en ai marre de chercher. J'en ai vraiment marre de chercher, ça m'énerve. Ça, c'est une cafetière, on le sait. Du café, effectivement. Non. Ah, ah, espèce de salaud. Espèce de salaud. Je le savais. J'ai enfin trouvé. Oui, j'ai trouvé. C'était chiant, mais j'ai trouvé. Mais si, je l'ai trouvé, putain. Papa, pa, la pa. C'est une peluche. Oh mon dieu. Il n'y a plus d'ours. Bande de salauds. Il y a un transmetteur et un minuteur. Comment ça, un minuteur? Exactement. Bon, eh bien, on va discuter de tout ça. Voilà, de la caméra déjà. Waouh. Évidemment. Ça aurait été trop simple, évident. Je déteste la technologie. Caméra ajoutée au dossier de l'affaire. Youhou, tralala, youpi. Qu'est-ce que je vais faire avec un minuteur? Oh, d'accord. Bien, bien, bien. Oh bah, je dirais un moment. Sort du meurtre, ouais. Non, vous y croyez? C'est pas que ça fait une minute en fait que j'y pense. Ça alors? Il n'y a plus qu'à parler de l'ours en peluche.
Il a des preuves compromettantes. Voilà. Oh mon dieu, j'ai compris un truc. Si tu veux... Vous vous foutez de moi? Mais il fait jour! Il fait jour alors que... Ah mais non, mais oui, mais... Le décalage... J'avais oublié! Mais qui peut donc parler? Envoyez Francis Kaon Karma en mettant un en commentaire. Envoyez Benjamin Hunter en mettant deux en commentaire. Ou bien likez la vidéo. Assez Hunter, vous avez perdu. Comment ça, ta chance? Ah bon? Ah. Voilà qui est intéressant. Oui, je pense que le jeu va faire sa pute et me couper. Oui, pourquoi? Ah mon dieu! Je sais! Oui, je le vrai meurtrier, je le sais. Franchement, Franchement, je dis non. Ouais, mais où commence la vérité? La question est là. Tous ces éléments sont reliés. Et cette carte? Un coquillage, putain, mais ça ressemble à rien. Ah, Bernic, ah, oui, d'accord, je viens de comprendre. Coquillage, Bernic, fruit de mer, voilà. Je suis loin à la détente. C'est la fin de l'épisode. Oh yeah. Ouah, c'est le deuxième épisode que j'enregistre aujourd'hui. C'est long, putain. C'est long. La fin de jeu est proche. Elle doit être dans 2 ou 3 heures de jeu, mais je vais l'avoir, cette fin de jeu. Je vais finir un jeu avant la fin d'année, nom de Dieu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui aura été encore une fois extrêmement long. Vous pouvez soutenir cette série en mettant un like ou un commentaire, à partager vos impressions du jeu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, à me suivre sur Twitter @basraus1. Bon jeu et à la prochaine.